Comment tu te sens? Tu as une bonne énergie, tu as envie de travailler, comment tu te sens? Comme une molécule, comme une possibilité. Là, tu préférerais être ailleurs, tu préférerais être un... Non, une, au hasard, une jeune princesse. J'habite au cœur des montagnes sacrées parmi les gnomes. C'est une communauté pacifique qui utilise un petit bout de métal argenté. Oui, plus tard, bien sûr. Bien sûr, plus tard. Trouver une idée, juste une idée. Un objet. Oui, une caisse à outils. Un van Volkswagen. On est assis tous les deux à l'arrière, c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes, il fait bon. Et entre nous, il y a. Un gouffre. Des fleurs. Ah. Une robe à fleurs. Et dans la robe, il y a Norma. Elle a sur les genoux, elle a joliment bronzé, une boîte. Une boîte dotée d'un bouton rouge quand on se permet de la puce. Non, non. Non, pas une caisse à outils. Hein. Une amorce, un point de départ, un but, une piste. Un espoir. Non. Un programme commun, pourquoi pas. Un défi. Un cabri. Je suis un jeune chevreau, tout juste extirpé de l'utérus de sa mère. Et je gis agonisant froid au pied. Un marocain. Non, hier, cette conversation avec le chapeau et l'orange. L'orange est dans la main droite d'une laponne. De laponne ? Posée sur sa moufle. Et de l'autre main, elle dirige avec dextérité... Un staff de 25 personnes. Son traîneau de reine. Ah. Si jolie reine, affamée. Et elle regarde l'orange, et elle regarde si jolie reine, affamée. Et elle regarde l'orange, ses reines affamées, et l'orange... Tu te souviens de tout, c'est incroyable. Tu te souviens de tous les textes qui te reviennent comme ça, sans problème, il n'y a aucun problème. Alors que moi... J'ai telle difficulté pour moi, il faudrait toujours noter, filmer... S'en souvenir. Oui. Mais là, aujourd'hui, je me sens incapable d'agir. Je sens que je n'arrive à rien. Je me sens comme un... T'es calme ? Non. Faut que c'est allé ? Mais non. Il n'est pas dans le breton. Non. À l'approche de la cinquantaine. Il est bien de cet endroit. Je me sens englué, en tout cas. Il est là, fallu au pied du canapé. Prêtre, blanc, sans ressort, sans... Le regard est inexpressif, mais quand même, il... Sentiment. Il rêve un héros. Il cherche un héros. Il cherche un ours. C'est bêtement un chien. Tout le reste, c'est pas de la vie, hein, c'est... C'est quoi le reste? C'est quoi? C'est romanesque? Il y a des choses intéressantes, c'est ascétique, c'est on est plusieurs, on est seul, c'est quoi? Explique-moi. Bah c'est tout ça à la fois, et c'est rien de tout ça non plus. Hein. C'est tout et rien, je comprends pas. Là. C'est tout et... Oh, pour moi.
Le reste, c'est une ligne, un ensemble de points, une ligne qui part de toi, qui va vers le futur, comme ça. Déception. Non, attends. D'ailleurs, elle est partie derrière, elle est venue jusqu'à toi, elle t'a traversé comme une flèche, là, et puis elle continue. Effets spéciaux. Non, même pas d'effets spéciaux, c'est comme ça, c'est simple. Et elle avance comme ça, elle avance. Qu'est-ce qui la propulse, cette ligne? Ah, ça, je sais pas. Il y a quand même du mystère, c'est intéressant. Et la nuit? La nuit. La nuit, c'est bleuté, c'est phosphorescent, et alors... C'est bien la nuit, non? Ah oui, puis ça... Je ne trouve pas le mot, là. Ça... Moi non plus. Ça scintille? Oui, ça scintille. C'est magique. Magique et banal en même temps. C'est... À mon avis, tout ça, tout le reste, là, c'est du flan. Non, c'est pas du flan du tout. Du temps? Ah oui, c'est ça, c'est du temps. La partie de la vie pour te... Tu vas le faire, tu vas te lever, hein. Tu vas poser ce qui reste de ta clémentine sur une chaise et tu vas le faire. Une fois pour toutes, tu vas dire tout ce que tu voulais dire. Simplement, là, bien droit, planté dans tes chaussures, dans tes habits. Et tu vas tout dire. Ah oui, la misère du monde. Oui. Oui, les erreurs d'arbitrage. Oui. Le mauvais café. Oui. Les vaches, les volants, l'injustice, les inégalités insupportables, les poids qui accrochent les manques de proposition, la contradiction, les gens en retard, le bruit du vent, le yin et le yang, la macarena, se rendre compte qu'on a dit une connerie, vieillir. Les idées de droite, les vacances au soleil en plein hiver, Fred Ledoux. Tu connais? Oui, tu sais ce type-là, qui veut toujours tout pour sa paume, là, ce mec avec un grand truc. Les problèmes de mémoire, travailler quand on n'a pas envie, stop, sans parler de la technique du jour, du plongeoir à 15 mètres, de la frite. De la frite? Oui, de la frite. De la frite et du méli-méli du jardin public. Calme, stop. Casquette. Silence, c'est un peu parle. I was riding on the Mayflower when I thought I spied some men. Start again. Alors Dylan, il faut arrêter aussi. Il faut abandonner. Dylan, il faut abandonner. Oui, j'en ai fait. Alors à peine ça commence. Et t'as une idée, là? Et toi, Claudia, qu'est-ce que tu aurais fait? À votre place? Oui. Ah ben, peut-être j'aurais fait un trio. Un trio? On récapitule? Ouais, on récapitule. Bah écoute, c'est simple, la danse de la pluie, on l'a abandonnée. La danse des oiseaux, y compris les canards, on a même abandonné. Tarif. La danse du bras gauche? Ah, la danse du bras gauche, il y avait un truc que j'aimais bien. Justement dans le bras gauche, c'était quelque chose qui... Oh. Ouais, je te vois bien, c'était, on a abandonné la danse, voilà, la danse à l'envers. À l'envers, là? Bah, je fais le maximum. T'as pas réussi. La danse... On la jette. On la jette. Alors, la danse... Ah, oui, la danse, voilà, par là. Mais non, c'est... c'est la danse sur pointe, mais non, on n'a pas le personnel. Non. La danse nue, tu n'as pas voulu la faire? Si. Non, mais d'ailleurs, moi, je tenais pas. Moi, il y a un peu lâché. La danse de l'enfant. Problème de... De mémoire. Oui, de mémoire, abandonné aussi. La petite danse marché. On s'est levé très tôt le matin, il pleuvait comme ça, sans déjeuner, on est sorti, on a marché 6 heures. C'était long, ça montait comme ça. Un peu ennuyeux, on a fait des arrêts pour s'abriter. Mais non, ça valait pas la peine. C'était vraiment inintéressant. Hein. Ouais, il y a la danse sur le texte,
La danse sur le texte, peut-être... Changer le texte. Oui. ou la danse. La danse au sol, moi non, moi je m'y refuse. La danse au sol, ça a commencé un peu, genre... Puis après, ça a été un peu vers le... l'horizontalitude. Inconfort, mais inconfort, comment dire, vers la plénitude, quoi. L'accomplissement. J'ai bien essayé. Ça n'a pas l'air si facile qu'on croit. C'est-à-dire qu'il faut, lâcher. Oui, non, je lâche. Il faut lâcher, c'est-à-dire. Et le danger, c'est d'essayer de combler. Au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Là-bas, par-delà, le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde. Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort, le langage des fleurs et des choses. Secrète. Mmh. Inquiète. Mmh. T'es nue. Petite. Simple. Des choses. Des choses muettes. Mmh. C'est toujours étonnant chez vous, cette façon de vouloir contenir les mots comme si... Comme si c'était dramatiquement important, comme si la face du monde pouvait en être changée, comme si tout allait être bouleversé, dangereusement menacé. J'espère que ce n'est pas lié à un petit problème technique, hein, d'élocution, de salivation. C'est quoi cette timidité, cette prudence, alors qu'au fond, c'est pas si rare, quelques mots, une phrase, même sans conviction.
juste pour faire venir la réaction, provoquer la contradiction, déclencher l'irritation, espérer une approbation, faire part d'une réflexion, anticiper une objection, tenter un rapprochement. Je connais un type comme vous, pareil, le lycée différent, il aime tellement écouter ce que disent les autres que lui ne parle pas pour pouvoir écouter plus. C'est fou, non? Il écoute, et il apprécie, ou pas, ce qu'il entend, mais on ne peut pas savoir, il ne dit rien. Mais il écoute très très bien. C'est beau à voir, il écoute pareil, c'est touchant, c'est impressionnant, c'est surprenant. Pas évident, un peu glaçant quand on finit par s'en apercevoir. Qu'est-ce que vous dites? Ah, pardon. But me, I'm all emotional. No matter how I try, you're gone, and I'm still here alive. You're gone, and I'm still alive. And I do get a chance to say goodbye. No more I do. Hello? Oui, Barbara? Passez-moi Jean-François. Est-ce que Daniel est là? Allô, Daniel? Ah, Sophie. Sophie, passez-moi quelqu'un de la production, s'il vous plaît. S'il te plaît. Oui, mais il faut que j'avance, moi. Hein. Passez-moi quelqu'un qui puisse me répondre. Et qu'est-ce qui se passe chez vous? Mais c'est à propos du projet Europa 2017. Mais il y a une fête chez vous, c'est quoi ce bordel? Oui. Un départ à la retraite? Bonjour ma puce, oui. Un anniversaire? Oui, moi aussi. Non, pas du tout. C'est pas un bisutage. Pourquoi tu me dis ça? Un lunch. Mais t'es où, là? Non, pas tout de suite, à 20h30. Mais tu dois te geler. Parler un peu. Ah ouais? Non, non. À l'hôtel? Mais non, pas la communication, je m'en fous. Ouais. Mais non, pas la médiation non plus. Écoute... Ah, Jean. Sur les draps? Content de vous entendre. Des bouts de pizza? Oui, je me suis un peu égaré dans les... Mais quel Canadien? Les méandres de l'organigramme. Hein, non, non, fais-le toi. Ouais, vous savez ce que c'est. Hein. Non, non, vous m'en fous, fais-le toi. Alors, ça avance notre histoire. Écoute, si tu m'aimes, pas de baratin. Hein. Alors? Alors quoi? Ben alors. Alors non.